Moi, je peux ajouter aussi un élément très important, c'est le klaxon aussi. Donc, les klaxons, c'est beaucoup plus, c'est des relais thermiques. Quand il y a une surchauffe du magnétron ou le four tout entier est surchauffé, ce composant-là ne fonctionne plus. C'est-à-dire que c'est pas qu'il ne fonctionne plus, mais beaucoup plus, je dirais, qu'il se coupe. Et donc l'alimentation est coupée. Mais il se pourrait que le klaxon tombe en panne. Donc quand le klaxon est coupé pour une raison ou une autre, le four s'arrête automatiquement de fonctionner. Mais pour vérifier son état, il suffit de mesurer s'il conduit ou non. Alors, dans le cas où l'ohmmètre indique une résistance infinie, cela prouve que le klaxon est coupé, c'est-à-dire est défectueux. Donc, quand le klaxon est coupé, qu'il soit en panne ou qu'il ne soit pas en panne, c'est que le four tout entier ne fonctionne pas. Donc, c'est une raison pour laquelle il faut aussi vérifier ce composant, même si ce composant n'est pas vraiment, si vous voulez, très important par rapport au transfo, le magnétron, la diode et le condensateur.